Salut à tous, c'est Gorskull. Épisode numéro 4, il me semble, de Hydronir. Oui, normalement c'est le 4. Système amélioré. Doublé les gars, on a besoin d'un max de ressources. Les trieurs qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Les plaques ici, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, des petites plaques en béton, on aime bien quand c'est propre. Les creuser directement à la réception. Putain, c'est magique. Regarde-moi ça, c'est rempli. J'ai des lingots, ils pèsent mes 300 tonnes, mec. Je vous ai gardé la surprise pour voir ensemble. Les plaques là sur le côté, tu verras sur le tapis roulant, les petits rochers, ils ont tendance à rester au bord pour éviter qu'ils tombent. Voilà, j'ai mis des plaques là aussi. On va démarrer tout de suite ça ensemble. On va voir, je vous ai préparé des lingots là-bas. J'ai acheté la balance. La balance qui indique le poids en dessous et le prix tout simplement brut du lingot en question. Donc les amis, on va mettre ça en route. Hein. Et on va regarder tout ça ensemble. Tu vas voir, ça tombe là, mon gars, c'est jackpot. Hein. C'est jackpot. Ah oui, si j'allume pas les machines, ça va pas le faire. Bon, ça commence bien. Ça casse vite. Hein. Attention. Ouh, j'en ai plus. J'espère qu'il n'y a rien d'autre qui va casser. Allez, on se dépêche. On va commencer avec celui-là. Voilà, hop. Pour pas que ça s'embrouille. Allez, magnifique, les gars. Magnifique. Oh, attends. Est-ce que je l'allumais, ça? Ouais, je l'allumais, c'est bon. Regarde-moi ça. Et ça tombe, bah, c'est parti, j'espère qu'il n'y a rien qui va casser. Bon, on a de quoi faire des maxi lingots, les gars. Il y a pas... Ah, ça y est, tu vois. Ça commence, ça coince un peu. Ça a failli tomber. De temps en temps, ça coince un peu, c'est rare. Pourtant, on a mis l'entonnoir, donc je comprends pas le délire du jeu. Alors, pourquoi j'ai mis cette plaque-là? Justement, quand tu prends des gros rochers que tu viens toi-même rajouter dans l'éclateur à rocher, ça en fait trop d'un coup. Donc si tu veux, malgré les plaques, tu vois, ça projette contre les plaques là, quand t'en mets trop d'un coup, ça te les expose, ça te les envoie par-dessus. Donc du coup, j'ai mis une plaque en biais. Aussi simple que ça, mon ami, pourquoi j'ai mis ça là. J'ai vu une petite pépite avant qui traînait. Et là, ça tombe, regarde. J'espère qu'il n'y a rien qui casse. Regardez ça, jackpot non-stop, les gars. Bim, 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 ça tombe, c'est magnifique, c'est trié, c'est dans le creuset. T'as plus qu'à ramener ça dans le fourneau. Alors pourquoi je te montre ça? Bah, je te montre la finalisation du système. Hein. Donc c'est tout à fait simple, comme tu le constates, ça fonctionne. De temps en temps, c'est un peu capricieux au niveau de l'entonnoir, mais dans l'ensemble, c'est simple, c'est parfait, c'est nickel, c'est propre. On aime bien, c'est rangé, c'est soigné, c'est magnifique. Ah, il fait nuit, j'aime pas quand il fait nuit. Je voulais assez mis, on fait dodo, même s'il faisait pas trop nuit. J'ai remarqué que sur mes vidéos, quand je les regardais derrière, c'était pas terrible quand c'était en nuit. Ça continue à tourner, merci monsieur. Hop. Ça c'est pas cool, il y a un petit rocher qui est là, attends, on va le mettre après. On va dégager le truc, voilà. Tu vois, normalement là, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul, on va récupérer le gros. Là tu vas voir, ça va s'éjecter sur le... Toi, ça serait passé au-dessus de la machinerie ici. Voilà. Là ça tombe, hein, ça glisse. Hein. Pas de problème, donc pour ça que j'ai mis cette plaque. Là, tu t'en rends même pas compte, là c'est insane. C'est insane, ça marche super bien. Les bouchons au bon endroit. C'est tout est parfait. Alors le but étant de faire la plus grosse amulette avec ce qu'on a là, les gars, la plus grosse bague et la plus grosse épée. On va vendre tout ça. Il y a encore 500 boules, je crois, qui traînent. Et le but de cet épisode, ce sera de s'acheter la parcelle qu'on avait vue dans l'épisode numéro 2. Rappelle-toi, la grosse parcelle de dingo et d'acheter la grosse machine. Alors, je t'explique. Ça, c'est top. Je t'ai expliqué. Ça va à la surface. Et le problème quand tu vas à la surface, c'est la taille. Hein. Tu vois bien des pépites, la taille des gemmes. Hein. On est sur de la pépite de base, hein. De la pépite simple de base. Putain, et tu vois, j'ai quitté le machin des yeux. Waouh! Et ça tombe, jackpot, mon gars. Bim, 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 bim. Voilà. Alors, on va arrêter tout ça d'acheter la grosse parcelle de cinglé, hein, les amis. Et une fois qu'on l'a acheté, ça je l'enlève parce que quand ça va repartir après,
À savoir, tout ce qui est sur le tapis roulant, quand ça s'arrête, que tu le remets en route, ça reste immobile. Ne me demande pas pourquoi, mon ami. C'est pas moi qui ai fait le jeu. On va pouvoir recharger, très gros consommateur, hein, les compresseurs là, très gros consommateurs en petits cristaux bleus. Hein. Effectivement, le but, du coup, ça sera d'acheter la grosse machine qui creuse de cinglés. Je voulais le faire ici, la parcelle pour moi me semble assez petite. On va faire un creux de 10 cases, mais un truc de malade mental. Et on va utiliser ce système-là, mais justement à 5-6 cases de profondeur pour récupérer des pépites, des gemmes et des cristaux de qualité un peu plus gros. Là, tu vas voir, ça va te sortir des lingots, mon ami, mais des trucs de fou. Là, en attendant que ça fond, on va essayer de se meuler les plus belles gemmes et on va. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. Mais tu regardes, voilà, c'est que des petites gemmes. Donc, effectivement, avec une grosse gemme. Allez, 5-6 cases de profondeur. Là, t'es beau. Là, c'est que de la petite gemme. Ça aurait pu rajouter une plus-value assez importante. On va pas toutes les faire, hein, les gars, je vous rassure. C'est pour ambiancer ce que je vous raconte, évidemment. On en a une belle verte là. C'est pas immense, on a une belle bleue là. On va voir, de toute façon, le poids. Ouais, 0,40 grammes. Ou pounds, ou des onces, je sais pas comment ça se dit. 0,4, j'avais vu la verte là. La verte, monsieur, j'ai dit. Merci. Ah, c'est déjà. Enfin, tu vois, je croyais qu'elle était grosse, mais bon. On va faire avec ces deux-là. Et du coup, au programme, la big amulette. Mais là, t'es pas prêt. Là, t'es pas prêt. La plus grosse épée avec les trois lingots. Mais là, c'est insane. On va voir le prix à la revente. Après, tu vas voir. C'est un truc de fou. Du coup, on se fait ça là vite fait. Que la vidéo, elle dure pas 300 plombes, évidemment. On va se faire l'amulette. Hein, ces deux, bien sûr. Deux, voilà. Et on va se la faire avec le bleu, tiens. Et on va regarder, mec, ça va être une amulette là, la taille du tracteur. Oh. Alors, le petit marteau. Bam! Oh, l'amulette à Mr. T, mon gars, là. Là, on va se faire le bracelet à Mr. T. Alors, il me faut la petite gemme là-bas. Voilà. Donc, le but, ça sera vraiment de creuser, mais faire tout un gros chantier, vraiment à 5-6 cases de prof, avec le même système des tapis roulants qui remontent à la surface. Enfin, voilà. Mais pour ça, il me faut la grosse machine. Hein. Tu peux creuser avec la pioche. Je suis pas dingue. Je suis pas dingue. Il y a une grosse machine à l'achat, ça nous permettra de voir aussi combien elle coûte. Attention à la gueule de l'épée, mon pote. Hein. Ça va être la première épée que je craft. Hein. J'ai jamais fait trois lingots en fer. Là, c'est trois lingots de barjot. Et là, au niveau price, on va se régaler. On attend que ça chauffe là vite fait. En tout cas, le système fonctionne très, très, très bien. C'est propre, c'est simple, c'est net et sans bavure. On aime. Et le but, ça sera donc de faire ça sur une autre parcelle qui va déjà nous coûter assez cher. Hein. On va voir le price aussi. Voilà, là, là, là. Ouh. Attention, mon gars. Là, on rigole pas. Là, on n'est pas ici pour plaisanter. Ouais, j'ai du matos dedans. Ne t'en fais pas. Je vais enlever ça. Alors, petit conseil, évidemment, quand tu poses du stuff sur une partie qui peut être creusable, je dis bien creusable. On a eu un message de notre ami Urago dans la dernière vidéo qui m'a mis en commentaire qu'il avait aussi des trucs qui ont disparu sous la terre. Donc c'est peut-être un bug de texture et tout ça, machin. Donc moi, ce que je vous conseille, les choses comme les outils, dès que tu as fini d'utiliser sur le râtelier, sinon à l'extérieur. À l'extérieur, tu es sûr que ça disparaît pas et que tu ne sois pas obligé de creuser comme un débile. On a un peu de thune qui traîne. Oula, un petit lag, un petit freeze, un petit peu de thune là-bas. Je fais le plein, on se rejoint au magasin. À tout de suite, les amis. Nous sommes arrivés au Jeweler, donc au joaillier, parce que là, mec. Bon, petite estimation, les amis.
Moi, je dirais, sans déconner, je dirais 2000 balles le match. Je te jure, sans déconner, 2000 balles. Attention, je la pose. Je te laisse réfléchir une seconde. 2000 balles, allez. 3003. Oh, putain. Ah, pas de gros mots, Gorskull. Aïe, 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 je t'avais dit, mec. T'es pas prêt, là. Attention. La bague de Mr. T, les gars. Allez, je te laisse encore une seconde. J'irai 1008. Attention. Les gars. 1500. Ah, j'étais un peu plus proche. On se fait... Alors là, l'épée, par contre, j'en ai aucune idée, les gars. C'est que du fer, je dirais... Je dirais comme la bague, un petit 1500. Putain, 1500 quand même. Hein. Je vois peut-être un peu gros, mais... Calmos. Attention, les gars. Oh. 1158, putain c'est quand même pas mal hein, pour que de la ferraille. Les gars, avec 3 items, on a 6129 ou 26 dolos. Là, les gars, le système, c'est de la merveille. Maintenant, au lieu de continuer à dire des conneries, voyons voir ces petites machines qu'on avait vues. Oh, c'est ce qu'il faut ça, putain, 1050, mais je l'achète direct. Mec, j'avais par contre, je sais pas à quoi ça sert. Eh les gars, pour l'épisode, hein, on vient de se faire 6000 boules, mais il n'y a pas de descriptif, un petit panneau, quoi. Putain, j'ai envie d'acheter ça et tout arracher, putain. Punaise, pardon. Des petits cocos qui regardent. Est-ce que ça se fait à la flotte aussi, ce truc? On va voir s'il n'y a pas encore d'autres machines, là. Je vois qu'il y a des trucs là-bas. On avait déjà fait la visite, hein. Rappelle-toi, mais... Est-ce qu'il y a des trucs? Je sais pas à quoi ça sert, ça. C'est juste décoratif, en fait, le machin ici. Le scrap yard. Bon, les gars, on se l'achète, hein. Bien sûr. On a 6000 boules, là. On peut se faire une maison de ouf. On se fera une maison, bien sûr, de cinglé. On s'achète la machine, une autre parcelle. Je doute avoir assez. Je vais prendre la monnaie. Je doute, effectivement, avoir assez pour acheter la parcelle en question. On va aller devant avec la nouvelle machine, les gars. On se fait plaisir. C'est pour vous, c'est cadeau. Et papa, c'est par ici que ça se passe. Hein. Bon, là, par contre, je peux pas mettre ma monnaie. J'espère que ça fonctionne à l'eau, ce truc. Hein. Ouais, je pense. Attends. Je dis ça, j'en sais rien. Déjà, c'est pour sortir. Tu vois, elle me paraît large. Hein, comparé au truc. Hein, je m'attends à un bug de texture et un envol de toute beauté. Les gars, on va se chercher un seau d'eau. Tu vois pourquoi j'ai mis les seaux. Mais magnifique, le gars, il est tout seul à faire le jeu, hein, les mecs. Hein. Putain. Ok, je vais bloquer le passage là, mais... Mode bulldozer. Hein. Allez, on va voir s'il faut de l'eau. J'espère aussi, je pense. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a rien. Au moins que ça fonctionne avec des joyaux. Quoi. Oh, la grosse benne de fou. Alors, attends. Ah, il y a de l'eau, c'est full déjà. Ah, putain, comment on monte dedans? Comment on peut monter dans cette... Ah, il veut pas, tu traverses le véhicule. Bon, tu sais quoi? Allez, pour la vidéo. Oh, let's go, c'est parti, les gars. Excavateur hydraulique. Maintenir clic gauche pour bouger les bras. Clic droit pour creuser le sol. Pff, c'est ce qu'il nous fallait. Ravitailler depuis le réservoir de côté. Maintenir E pour décharger la terre. Ouh, les gars, c'est... C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Ouais, mais comment je sors, copain, s'il te plaît? Ça va, je peux te... Ah, putain, là. Ben, hein, on est d'accord. Bon, on laisse. Hein. Bon, ça y est. On s'est naissant. Putain. Bon, on a laissé toute notre thune... Putain, je sais même plus. Du coup, je sais pas où on est. Attends, on va faire débloquer... Voilà, ça c'est lourd. Ah, on va laisser sur la parcelle, les gars, bien sûr. Je regarde que j'ai tout en sécurité. Je le rechercherai à pince plus tard. On veut. Ah là, on veut tout arracher. Au passage, les amis, voilà, ça nous fait un peu de visite. Allez, tourne. Putain, tourne. Oh, c'est nerveux. Alors, attends, eux pour décharger. Ah, mais j'ai pas de terrain, c'est ça? Ah non, c'est pas eux, c'est End. Attends. Attends, c'est E ou End? Si, c'est ça, E, attends. Ah, il faut mettre de la terre dedans. On va aller voir l'autre parcelle, les gars. Il nous reste 5000 balles. Je me doute que... Putain! C'est 5000 balles.
suffiront. Ah, il va faire nuit, je vais montrer ça en pleine nuit, j'aime pas ça, j'ai dit. En tout cas, il envoie les gars. Attention, et en plus, là, le freinage en plus, c'est chaud time. Celle-là, les gars, voilà, là, on va se faire. Là. Combien ce qu'on a ? Forçal. Putain, mais c'est pas marqué. Ah, d'accord, merci. 6600, les gars. On achète, bien sûr. Non, j'ai pas assez. Voilà, on l'essayera ici. On achètera cette parcelle. Hein. Il nous manque 1600 balles, les gars. Hein, autant te dire que on fait tourner une petite journée la machinerie. Au passage, quand je reviendrai chercher ça plus tard, petit épisode court, hein, bien sûr. Pas faire que des épisodes de 30 minutes. Je vais essayer de vous en ressortir plus régulièrement, les amis. Même si c'est des épisodes qui ne touchent pas forcément un très grand public. Mais je sais que ceux qui les suivent se régalent à regarder ça. Donc voilà. Moi, je fonctionne pas au nombre de likes, au nombre de vues. Voilà, je fonctionne au feeling, au ressenti. Population zéro, c'est un petit peu mis de côté pour l'instant parce qu'il faut énormément farmer. Et au final, j'ai pas tant le temps que ça comparé à ce genre de petit jeu. Comme je t'expliquais, tu peux jouer un peu n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc pour l'instant, vous m'excuserez, c'est un peu en stand-by. Citadelle aussi. Faut énormément de temps de jeu. Là, il y avait le jardin à préparer, il y avait tellement de trucs. Réinstaller la piscine. La piscine Intex, hein, attention. Hein, ok. Bon, on passe la nuit quand même. Je vous montre pas ça en pleine nuit. Là, on est dingo. On est dingo là. On est comme un fou, les gars. Allez, fais dodo, mon petit. Petit épisode, plaisir. Oh putain, j'ai envie de tout arracher là-bas. j'ai envie de tout arracher partout. Attention, les gars. Voilà. Ah, je sens ça va être du sale. Je crois que t'es pas prêt là. Alors attends. Ouh. Ouh. Alors attends, maintenir clic gauche pour bouger les bras. Ah, d'accord, ok, tu inclines de haut. Alors tu risques. Oh, d'accord, ok. Là, mec, attention. Ouh. D'accord, alors maintenir E pour décharger la terre. Elle est là. Ah oui, d'accord, ok. Alors normalement j'ai dû faire un tas là. Ou pas. Guys. Oh. Sac de graines de canne verte. Trouvé enseveli. Plantez-les sur un sol à l'air libre. Récoltez quand c'est prêt. What the... What the fuck is that? Eh ben les gars, on a trouvé un trésor. Putain, j'ai jamais... Attention. On va planter là. Ah, ok, planter. Un sol à l'air libre, récolter quand c'est prêt. Oh, il est caché en dessous, d'accord, ok. Allez. Non, attends. Ah, ok. Alors attends, un sol à l'air libre. Ok, d'accord, il y a des parties. Sac de graines. Plantez-les sur un sol. Alors attends, on va planter ça là-bas près des rochers. Oh, c'est cool ça les gars, c'est quoi ça? Petit trésor. Ah, près de l'eau là, c'est bien là, putain merde, plante, bordel. Alors pourquoi il y a des fois il veut, des fois il veut pas. C'est bizarre ça. Bon, tu sais quoi, on s'en fout un petit peu du... D'accord, ok, ouais. Ah, ça fait chier l'emploi de quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre ça là. Oh, yes! Ok, d'accord, yes! Ok, merci, guys. Putain, et c'est... Les gars, ouais, je te le dis... On va acheter la parcelle pour le prochain épisode. Je garde un peu de suspense, hein, bien sûr. Pas tout offrir à chaque fois. Mais là, on a trouvé un trésor, copain. Allez, descends le bras. Oh, les gars, là. Là, franchement, on plaisante pas. Là,
moi je te dis qu'on va vraiment pas plaisanter. Hein. C'est super sympathique ce petit truc. Hein. Voilà. Oh. Oh, sac de jasmin sauvage. Ah, tu peux te faire un truc. On va mettre ça là. Voilà, on s'en bat un peu les reins. Ok, bon, bah, en tout cas, les amis, c'est plutôt cool. Épisode assez court, hein. Je suis pas flemmard, c'est juste pour en garder un petit peu sous le coude et sous la main. T'as bien vu le système, il est juste magique. La machine là, les gars, mais ça va être un film, hein. Un film. Hein. Autant te dire que là, je vais vite arriver à un gros lingot. On tourne ça une petite journée. J'aurais pu peser les lingots, mais autant te dire que c'est une journée à chaque fois, chaque lingot que j'ai fait. Donc autant te dire que le prix était justifié. Ça marche, c'est propre, c'est net et sans bavure. La machine, pff, attends, un régal, un plaisir, un vrai délice. Eh ben écoutez les gars, prochain épisode, on a la nouvelle parcelle. On se fait un gros trou nerveux, full machinerie, tapis roulant qui sort du truc, triage à la surface, pépite de très haute qualité. Attention, taille de la pépite certainement plus grande. Peut-être problème avec l'entonnoir, on installe tout ça et on prépare tout ça dans le prochain épisode. Ça sera un vrai petit délice. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit et à bientôt. Ciao les amis.